Bonjour, Florence Presson, pilote opérationnelle du parcours de rénovation énergétique performante. Notre parcours permet effectivement d'accompagner le ménage du moment de sensibilisation grâce à l'engagement du maire, hein, le tiers de confiance de proximité, qui s'engage auprès de l'ensemble de ses citoyens pour les accompagner vers la rénovation. Pour cela, nous avons l'étape de la formation, de l'accompagnement, de la labellisation des artisans pour travailler ensemble à une rénovation performante. Pour que l'ensemble fonctionne, nous avons un fil conducteur qui est l'opérateur de proximité, c'est-à-dire une agence locale de l'énergie et du climat, qui va suivre administrativement, physiquement, un accompagnement du ménage. C'est vraiment son interlocuteur privilégié de bout en bout. Et pour concrétiser cela, eh bien, nous répondons à la problématique financière avec une assistance pour l'ensemble des dossiers d'aide, de subvention, de C2E travaux et le montage du dossier financier auprès de la banque, que ce soit pour l'éco-PTZ ou que ce soit un prêt avec la banque coopérative LANEF qui permet un prêt sur 18 ans sans condition d'âge ni assurance, en prenant en compte les économies réalisées grâce à une maison qui est totalement rénovée. Le passage à l'échelle, c'est effectivement le portage du parcours de rénovation énergétique performante entre maires, dans la communauté des élus, avec effectivement l'engagement de chacun de la mise en place d'un interlocuteur privilégié, l'opérateur de proximité, l'agence locale de l'énergie. C'est une personne qui est indispensable, c'est un temps important pour les ménages, la sensibilisation, l'accompagnement du ménage, et puis la constitution d'un tissu économique local avec les entreprises de la rénovation locale. C'est ce qui permet aussi de développer l'attractivité économique de sa ville, de son territoire. Ce qui forcément motive, mobilise un maire pour effectivement avoir une ville avec des quartiers pavillonnaires resplendissants, avec des citoyens qui n'hésitent plus entre manger, se déplacer et se chauffer, et qui gagnent effectivement le plaisir d'être dans une maison économe et agréable.